Le plaisir n'est qu'une fausse image de la joie. C'est beau, mais c'en est qu'un reflet. Vous pouvez remarquer ça dans votre vie. Quand vous devenez très joyeux, le besoin de plaisir va disparaître ou se dissiper. Le plaisir est une façon de stimuler la joie. Le plaisir de manger, le plaisir de boire, d'autres plaisirs physiques, des plaisirs intellectuels ou émotionnels, eh bien, ces plaisirs sont très bien. Mais si vous avez besoin d'avoir du plaisir, vous avez besoin de quelqu'un ou de quelque chose. Dès l'instant où ce quelqu'un ou ce quelque chose vous est refusé, ça va vous apporter énormément de malheur. Donc ce n'est pas par crainte du malheur que vous évitez le plaisir. Il n'y a pas besoin d'éviter le plaisir. Il a sa propre beauté, il a ses propres avantages. Mais vous devez comprendre que, comme le disait Khalil Gibran, le plaisir est l'ombre de la joie. En parlant de Khalil Gibran, c'est un poète libanais et quand j'étais très jeune, quand j'avais juste peut-être 17-18 ans, j'ai lu son livre intitulé « Le prophète » et par après j'ai lu beaucoup de ses poèmes et autres. Cela m'a conduit à une recherche qui, lorsque je me trouvais au Liban, je suis allé chercher sa maison dans les montagnes. Et sa maison était faite comme ça. Sa maison dans la montagne était... Elle était partiellement construite, à environ 25%. Le reste était une grotte. Donc le salon était une grotte et un petit ruisseau vivant coulait à travers le salon. Le bruit du ruisseau et l'endroit tout entier était vraiment merveilleux. Et j'y ai pratiquement passé une demi-journée ou un peu plus que ça. Et il avait aussi une grotte pour ses méditations. Khalil Gibran a été une inspiration pour toute une génération, un poète profond, un être humain plein de vie. Et c'était une grande joie d'être dans sa maison et d'y passer du temps. Parce qu'il m'avait énormément impressionné quand j'avais 17 ans. Bien des années plus tard, me rendre dans l'endroit où il a passé la dernière partie de sa vie a été une chose fantastique. Donc, comprenons ceci. Il ne s'agit pas d'être contre le plaisir. Si vous allez assez profondément dans la vie, vous êtes joyeux de par votre propre nature. Vous n'avez pas besoin de stimulus extérieur. Ça veut dire que vous êtes libre. Tant que vous avez besoin d'une aide extérieure ou d'une assistance extérieure pour connaître un peu de bien-être, le plaisir est un certain niveau de bien-être. La joie est un autre niveau de bien-être. Pour connaître ce bien-être, si vous avez besoin d'une sorte de dispositif, quelque chose de l'extérieur, soit d'un être humain, soit de choses autour de vous, alors vous serez asservi pour toujours. Le plaisir est beau, mais asservissant. La joie est merveilleuse, et surtout, elle est libératrice.